premier livre de Kamel Rachedi, qui vient de paraître il y a quelques jours. Chez Blurb. Chez Blurb, c'est une édition par internet pour les photographies, les petits livres, les périodiques qu'on voudrait faire soi-même. Blurb. Instantané. B-L-U-R-B. B-L-U-R-B, Blurb. Kamel Rachedi. Les dessins et les textes sont de moi-même, quoi, si je puis me permettre. Oui. Instantané. Il y a des très belles choses. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire en peinture, en poésie. Ouais, c'est des petits textes. Là, que... Oui. C'est que j'écris quasiment que des petits textes. Hein. Mais oui, comme les aphorismes de La Rochefoucauld. Un petit peu, peut-être, oui. Ouais, ça m'a influencé, ça m'a un peu... Moi, je devrais un peu... J'aurais peut-être en sortir un peu, j'aimerais en sortir, mais j'ai du mal à... Je suis pas comme vous, j'ai du mal un peu avec la longueur, vous voyez. Je reste à un moment donné, je suis bloqué sur le papier. Je trouve pas la suite. Le très court est un absolu, une sorte de... Ah oui, c'est très beau, oui. Ouais, c'est un espèce de jeu de cartes. Papier découpé, non ? Non, c'est un collage plutôt. Ah, collage, et non pas peinture blanche ou noire. Les deux, collage, peinture, c'est un mélange. Oui. Ouais, c'est beaucoup de femmes, hein. Oui. C'est Antoine qui m'a dit ça, c'est assez joli. Oui, c'est une pensée tout à fait vivante. C'est du fantasme. C'est une pensée vivante et nécessaire, oui, bien sûr. C'est un des premiers que j'ai fait, là. Je voulais imiter un peu, vous savez, les romans d'amour, là, les petites bandes dessinées à la con, là, vous savez, qui sortaient dans les années 60, c'était un peu ça l'idée. Dans nous deux, confidence. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Ah, c'est très beau. Il vous ressemble un peu celui-là. Hein. Il y a un petit air comme ça. Un petit air. Bon, celle-là, vu en été à travers les stores de la fenêtre. C'est bien. Avec les yeux rêveurs un peu. Oui. Voilà. Ah oui. Une américaine, hein, ça se devine. Sans doute. Oui. Elle joue dans des films. Là. Ah, c'est inspiré par Man Ray, là. Oui. Vous connaissez le fameux tableau surréaliste, là. Avec un violoncelle, oui. Voilà. Ah, merci Jean-Paul. Ah, oui. Vous êtes celui qui est... Vous êtes un de mes trois acheteurs. Hein. Oui. Ça fait plaisir, hein. C'est normal aussi, oui. Oh, ben, c'est... Des lèvres pulpeuses, comme on dit. C'est un rêve de cinéma, un peu, les japonais au lycée. Ça. Oui. Et là, c'est votre camarade, là, votre ami. Oui. Ah, monsieur Edgar Allan Poe, que je connais très peu, j'ai peu lu, très peu lu. J'ai dû lire Le Corbeau un jour, mais il y a très longtemps, non, même pas. Encore une américaine. Oui. Oui. Ok, bon, merci. Hein, c'est...